Chouchou, mon petit chou, mon petit chouchou, à la crème, chouchou, mon petit chou, mon petit chou. D'amour, chouchou. Bon, il est endormi. Regarde s'il est beau. Ouais, il est, hein? Beau, il est beau. Hey Pierre, te rappelles-tu toi quand t'es venu au monde? Si je m'en rappelle. Moi, si je m'en rappelle? Ouais. Non, on m'en rappelle pas tellement quand je suis venu au monde. La seule affaire me rappelle, c'est que quand je suis venu au monde, on aurait dit que j'étais pas voulu, que j'étais un bébé que le monde souhaitait pas. Comment ça? Ben, gars, quand je suis venu au monde, là, un exemple, mon père, là, il a couru à Chigan avec une 303. Pierre, te rappelles-tu de ton premier souvenir? Qu'est-ce que c'est ton premier souvenir, toi? Ben, mon premier souvenir, tu veux dire quand je suis venu au monde, là? Oui, oui, oui. Ben, quand je suis venu au monde, mon premier souvenir, c'est quand je suis venu au monde. Je veux dire, je suis venu au monde la nuit. Parce que, hey, je voyais rien. J'essayais de regarder en avant de moi, dans les côtés. C'était noir. C'était un noir très épais, pas ça. Ben oui, mais voyons, c'est tout à fait normal, ça. Quand on est petit bébé comme ça, on voit pas. Voyons donc. Tu veux dire, quand on vient au monde, on peut pas voir? Ben non. Tu vois, ça, c'est des affaires que je savais pas. Le monde me parle pas. Le monde, il me dit jamais rien. Ben oui, mais écoute, Pierre, moi, je te demande, là, ton premier souvenir, je veux dire, par là, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Le premier son que t'as entendu, toi? Le premier son là que moi j'ai entendu. Oui, qu'est-ce que c'est la première chose que t'as entendu? Moi c'est Willy Willy Woo, Espiré Willy, Flick Flick Willy Woo, Flick Willy 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 Woo, Espiré Willy Woo, et oui oui, oui c'est ça. Tous les jours j'entendais ça. Espiré Woo, Espiré Woo Woo Woo. Ça c'est quoi tes parents qui te parlaient en langage de bébé? Non c'était le chien. Oui, le chien, je restais dans la chaîne. Je veux dire, mon petit berceau, il l'avait mis dans la chaîne, à côté de la niche au chien. Puis on restait tous les deux là parce qu'on avait moins chaud, c'était moins humide dans l'été. Je suis venu au monde l'été, hein? T'avais-tu dit, je suis venu au monde l'été? Non. La nuit. La nuit, l'été. Puis là, comprends-tu, ce chien-là, moi, il était bien fin, mais il était bien achalant aussi. Parce qu'il n'arrêtait pas de me lâcher les fesses. Quoi? Il me lâchait les fesses. Oui, oui. Il lichait les fesses, je veux dire. Il lichait la face. Il léchait la face. Il léchait la face d'en face. Oui. Est-ce que je pourrais prendre l'occasion qui m'est présentée présentement, je veux dire, l'opportunité. C'est ça, de parler au microphone? Oui, vas-y. Bon. Alors, s'il y a des petits bébés à l'écoute, des tout petits bébés là, qui ne voyaient pas encore, tu sais, voudrais leur dire, là, même s'ils ne voyaient pas encore, de ne pas paniquer. Tu sais, paniquez pas les petits bébés. À moins, naturellement, que tu sois rendu à 3 ans puis que tu ne voyes pas encore. Ben, à ce moment-là, tu es mieux d'en parler de ton médecin de famille, tu sais. Parce que si tu commences à marcher là, vers les 3-4 ans, tu sais, 3 ans et demi, 4 ans, tu peux te frapper partout. Tu peux te frapper dans la porte de salon, tu peux te frapper sur la lampe torchère. Comment marcher 3 ans et demi, 4 ans? Veux-tu dire que toi, tu as commencé à marcher à 4 ans? Non, je le sais. J'ai poussé un peu. Ouais, ça a l'air prétentieux de ma part, peut-être. Prétentieux, ouais. Non, j'ai commencé à marcher à 5 ans et demi. J'ai commencé à marcher à 5 ans et demi. Qu'est-ce que tu veux? Je savais-tu, moi, que j'étais capable de marcher? Le monde, il ne dit jamais rien avec. Il y a une affaire que je me rappelle, que je peux te dire, c'est que vers 5 ans et demi, il est arrivé une affaire bien grave dans ma vie. Ça aurait pu être une affaire bien grave dans ma mort à part de ça parce que j'ai manqué de me noyer.
T'as manqué de te noyer? Certain, mais manqué de me noyer personnellement, je veux dire ici, j'ai manqué de me noyer à 5 ans et demi. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, tu vois-tu, j'étais là, hein, j'étais sur un bord de l'eau, sur un bord d'une rivière. Il y a de l'eau, il y avait de l'eau, tu sais. Sur le bord de l'eau. Ben, sur le bord de l'eau. Puis là, tout d'un coup, en regardant sur le bord de l'eau, dans l'eau, là, sais-tu qu'est-ce que j'entends? Non. Splash! Splash? Comment ça, splash? Ben, ça, c'était moi qui venais de tomber dans l'eau. Dans l'eau, tu veux dire à l'eau? Ben, je voulais dire allô, je voulais pas plus. OK, moi le dire. Allô, comment ça va, vous autres? Ça va bien? Ben non, voyons donc. Il y a une affaire, par exemple, faut dire, c'est qu'à 6 ans, remarque que ce que je dis à 6 ans, la première fois que je me suis battu. À 6 ans? Oui, monsieur. Comment ça? Je me suis battu à 6 ans, puis il m'a dit une autre affaire plus fort que ça, j'avais un adversaire de taille, OK? Hey, 8 ans et quart, 8 ans et demi, 10 livres, peut-être 15 de plus que moi, hein? Mmh. Pis, tough, là, tough, au bout. Qui, ça? Ma cousine. Ta cousine? Oui. Tu t'es battu avec ta cousine? Ben oui. Vois-tu, on jouait, là, à Adam et Ève dans le paradis terrestre. Ouais. T'as déjà joué ça, toi, à Adam et Ève dans le paradis terrestre? Ouais, j'ai déjà joué. Tout le monde connaît ça, On jouait à Adam et Ève dans le paradis terrestre. Ouais. Pis là, là, au lieu de me tenter avec la pomme, elle l'a mangée. Ouais, là, moi, j'ai sauté à la gorge, comprends-tu? À la gorge, une gauche, une droite, un uppercut, comprends-tu? Une jambette, un full Nelson, éclair japonaise, les doigts dans les yeux, un autre jambette, tombe à terre, saute 5-6 fois dans le ventre, comprends-tu? Pis là, tu l'as assommé, là? Ben, pas moi, elle m'a assommé. Elle était tough, comprends-tu? Elle a vraiment perdu un de ses combats. Elle a gagné tous les combats dans le bout. Pis entre ça, là, ben, ma mère, comprends-tu? Elle s'était retrouvée à l'hôpital là, pour acheter un autre petit bébé, un petit frère. Ouais, t'avais un petit frère. Au début, elle n'a pas marqué bien, comprends-tu? Lui, d'un appartement, moi, d'un autre. Il y a des grandes semaines qu'on ne se voyait pas. Là, à un moment donné, comprends-tu? Je la regarde, puis, il y a trois ans. J'étais plus de seul pour jouer, comprends-tu? J'avais un petit frère maintenant. Ouais. Mais deux semaines après, croyez-nous ou là, mon petit frère est rentré du genre sur l'hôpital, il s'était blessé. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, vois-tu? On jouait à celui qui se pencherait le plus bas en dehors de la galerie, tu sais. Pis c'est lui qui a gagné. Tu veux dire que vous jouiez à celui qui se pencherait le plus bas en dehors de la galerie, puis c'est lui qui a gagné? Non, non! On jouait à celui qui se pencherait le plus bas en dehors de la galerie, puis c'est lui qui a gagné. Ah! J'espère que vous restiez pas dans le deuxième étage. Ben non! Non. Penses-tu que j'aurais fait ça si on avait resté dans le deuxième étage, voyons? Non! On restait dans le troisième. Puis là, ben, c'est à cet âge-là que mon père a commencé à regrandir. À regrandir? Mon père grandissait. Écoute, je suis pas fou, moi. Ben, voyons. Mon père allongeait de jour en jour. Ben, quel âge qu'il avait, ton père? Ben, sais-tu, moi, je suis pas sa mère. Non, mon père a commencé à grandir, j'avais 5 ans, il était dans son tour d'âge, tout le monde a grandi. Ben oui, mais pourquoi? Il grandissait, il allongeait de jour en jour. Voyons donc, pourquoi tu dis ça, là? Pourquoi tu pensais que ton père commençait à grandir? Hey, pas je pensais, hein? Là, tu me choques quand tu dis ça. Tu me choques quand tu dis je pensais. Je suis sûr, je l'ai vu, mon père, écoute. Je suis sûr qu'il grandissait, écoute. Sa tête a commencé à traverser ses cheveux. Ben non. Tu veux dire que ton père commençait à devenir chauve? Ah, savais-tu, moi? Je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire, ça, chauve. Chauve. J'ai-tu dit chauve? Non, chauve. Ah, c'est pas chauve, c'est chauve. Ben oui, je sais que c'est chauve. Pourquoi tu dis chauve, d'abord? Voyons donc. Puis là, un jour, mon père, il m'a dit... Bon, ben, Pierrot, c'est demain que tu commences à l'école. Hein? Oh, père! Oh non, père! Tu veux dire que m'a mon sac d'école... Mes payons puis mon crapier? Oh, papa! Mes crayons, mon papier? Oh, tu penses pas que je suis trop jeune, père? Hey, écoute, tous les autres petits gars d'avant, ils vont à l'école. Ah ben, OK d'abord, père. Moi, y aller, père. À vous dire je, maman, papa me prend pour un grand. À l'école, je fais le soir. On me prend pour un esclave. Moi, j'aime mieux. Je suis encore insensible à l'amour des petites filles. Je préfère la balle molle à toutes ces jolies têtes folles. Et leurs gentilles bouclettes ne valent pas ma bicyclette.
Moi, Pierre, je me souviens de ma première journée à l'école. Ah, c'est comme c'était hier encore, je me souviens. C'était nouveau pour nous autres, tu sais, d'avoir notre premier sac d'école, nos premiers cahiers, nos premiers crayons. Ah, je sais bien. Moi, en rentrant dans la classe, le premier matin, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive? Non. En rentrant dans la classe, là, la maîtresse m'a tombé sur le dos. Puis là, ben, on s'est relevé tous les deux, puis elle s'est excusée. Là, elle avait mal dans le dos, moi, là, on voit-tu. Puis à partir de ce temps-là, je me suis méfié, moi, de la maîtresse, parce que elle m'aurait fait mal, puis une avait peu, puis elle n'avait pas l'air à m'aimer à part de ça. Comment ça? Ben, elle me mettait tout le temps zéro, tu sais, dans mes devoirs. C'est que, un bonjour, comprends-tu? J'ai dit, faut que je me décide. Je me suis ramassé du courage à deux mains. J'ai décidé. Hein? J'ai pris mon courage. J'ai pris mon courage à deux mains. C'est ça que je voulais dire. Oui, oui. J'ai pris mon courage à deux mains, là. Mm-hmm. Puis là, j'étais à voir la maîtresse. Puis j'y ai parlé. Vous trouvez pas que c'est pas correct, mademoiselle, de toujours me mettre zéro dans mes devoirs? Je sais que c'est pas correct, mon petit garçon, mais c'est le plus bon que je peux aller. Puis une journée, ben là, il a fallu que ça aboutisse à quelque chose. Il a fallu que je me révolte. Je me suis révolté contre l'écolishment. L'écolishment? Ben oui, j'étais écœuré de l'école, tout cet écolishment-là. Là. Le principal qui me donnait la strap, la maîtresse qui me donnait la fessée. J'étais tout mêlé de ça. Là, j'étais rendu, à part de ça, j'étais rendu dans une classe plus avancée. Mm-hmm. J'étais rendu avec un professeur, comprends-tu? Ouais. Ouais, ben une bonne fois, je foxais. Moi, j'étais un gars qui foxait à l'école. Ah, tu foxais? Je foxais, je restais chez nous souvent, tu sais. Parce que mes parents, ils s'en allaient, alors je faisais semblant d'aller à l'école, puis je foxais. Oh. Avec une bonne journée que je foxais comme ça, qui c'est que tu penses qui arrive chez nous, le professeur, qui sonne à la porte? Hey, tu devais être mal à l'aise. Non, non, mais j'étais mal à l'aise, par exemple. Fait que là, je vais avoir à répondre. Ouvre la porte face à face avec le prof. Hey, tu sais comment ça va, le prof? Je dis, il veut rien savoir, il n'entend pas l'école, moi, OK? Alors, c'est sûrement à ce moment-là que tu as pris le goût au sport? Non, non, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aimer ça, le sport. Puis là, j'ai commencé à pratiquer, comprends-tu? Puis là, j'ai commencé à jouer non, écoutez, choses, écoutez, le hockey, même. Oui, même oui, c'est vrai, beaucoup. Mais surtout, là. Baseball. Baseball, oui. Parce que, mesdames et messieurs, oui. Je dois vous dire. J'aimais ça, le baseball. Oui, oui, oui. Pierre a déjà été. J'ai bien, bien aimé ça. OK, moi. OK, OK. Pierre a déjà été un très grand athlète. Oh, ben. Non, 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 Pierre, il faut pas. Ben, hein? T'athlète, oui, mais pas très grand. Non. 5 pieds 8. 5 et 8. Non, non, non. Pierre a été un très grand joueur de baseball. 5 pieds 8. Pierre a été un très grand joueur de baseball, mais malheureusement, ben oui. Un incident plutôt bizarre, on pourrait dire. Oui, un feu. J'étais des pompiers à ce moment-là, à feu, j'allais au feu. T'avais grandi. Puis c'était pendant les semi-finales, j'ai tout perdu les séries à cause de ça. Je me suis brûlé deux mains, j'étais plus qu'à poignée de balle, du tout, du tout. Non, 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 non. Un incident plutôt bizarre, même dramatique. Faudrait dire, oui. Dramatique a mis une fin abrupte. Fin on finale. Dire, fin, à sa carrière de joueur de baseball. Et je vais vous conter exactement non, ce qui est arrivé. Non, s'il vous plaît, j'aime autant. Je vais vous raconter. Pas. Non, ce qui est arrivé. J'aime autant de raconter d'abord. Que... T'aimerais mieux le ben, toi-même. Oui, j'ai plus confiance à la façon de me raconter. Bon, alors. Oh, oui, vas-y. Eh bien, là, j'ai mes yeux, c'est vrai. Que j'ai déjà été pas mal bon au baseball. J'étais un receveur, vous savez. Je recevais pour les Yankees. Les Yankees de New York? Non, non, les Yankees du Mont-Saint-Antoine. Uh-huh. J'étais receveur pour eux autres. J'étais moi-même receveur toute étoile pour les Yankees du Mont-Saint-Antoine. Je m'appelais receveur toute étoile parce que j'étais trop proche du frappeur. Tu sais. Je recevais souvent des coups de batte dans l'arrière de la tête. Je voyais beaucoup d'étoiles. Étoiles, ouais, ouais. J'étais un receveur toute étoile. Ouais, ouais. Alors, notre équipe, des fois, tu sais comment c'est au baseball, tu passes pour des voyages suicides. Hein? Tu pars là pour des longs voyages à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur naturellement, et tu t'en vas loin et loin, comprends-tu, jouer des parties de baseball contre des villes, comprends-tu, loin et loin de chez vous, dans des pays que tu connais même pas, tu sais même pas la mentalité ou si loin peut-être. Ah, oh, loin, si loin, loin on me rappelle. Cette fois-là, là, on était rendu, dans une ville étrangère, on était loin en mots. Juste, on était dans un pays où le monde ne parlait pas en toute quelle notre langue. Ville? Où ça? Le monde n'y mangeait mais même où, pas. De, où? À Longueuil. On était à Longueuil. On jouait 3 jours, là, à Longueuil. On jouait 3 parties. Mais là, vois-tu, la veille, il y avait neigé. Comprends-tu? Il y avait neigé? Oui, on était rendu en semi-finale. Oui, semi-finale, mais quel quand ça? Ben, quel juste, juste l'avant-veille de Noël. On finissait les semi-finales, on tombait en finale au jour de l'an. Je me rappelle, c'était ça. Les finales commençaient le jour de l'an.
Puis là, on n'a pas pu jouer parce qu'il y avait trop neigé la veille. Ça que moi, vu que j'avais une journée de congé, j'ai dit, qu'est-ce, je vais me promener. Je vais voir ouais, comment ça vit, ça, ce monde-là, tu sais, loin de chez vous. Ouais, ouais. Ça, j'ai décidé de me promener dans les rues de Longueuil. Comprends-tu? Faire du linge vitrine. Mais partout, je me promenais, puis je regardais, comprends-tu? Tout en regardant nulle part et partout en même temps. Ouais. Juste un gars qui se promène comme ça, comprends-tu, dans une ville, sans déranger personne. C'est ça. Je m'occupais de mes affaires. Oui, 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 continue. À un moment donné, juste en haut, mon regard fut attiré. Mon regard et d'ailleurs tout le reste de mes yeux et ma bouche, et tout moi-même a suivi mon regard en haut. Oui, oui, oui. Au quatrième étage, qu'est-ce que tu penses que j'ai vu sur la couverture? Qu'est-ce que tu as vu? Rien, là. Mais juste à côté, au troisième étage, sur la couverture, un petit gars, un petit bébé, un petit gars tout petit. Un petit bébé? Un tout petit bébé, à peu près. Oh, plus petit, il était tout petit. Il parlait. Je l'entendais qu'il criait, comprends-tu? Oui. Il baltubibiait des paroles incohérentes, mon vieux. Et où est-ce que tu veux comprendre? Que tu veux comprendre là-dedans, comprends-tu? Mais moi, à un moment donné, je sais pas, j'ai cru comprendre qu'il était pas tombé. Ben, vu que tout ça était juste une patte en dehors, puis tout, j'ai dit, il va tomber, comprends-tu? Ça m'a énervé. T'es intelligent, toi. Très intelligent. Oui, oui. Alors, j'ai dit, si je cours, comprends-tu? Si je me traverse, là, la rue, si je cours, s'il tombe... Tu vas l'attraper. M'a l'attraper. Receveur au baseball. Une mythe, mon vieux, une main effrayante. Je vais ramasser la voilà quoi. Oui. Comme de fait, le petit bébé, mon vieux, pique une plonge, comprends-tu? Puis là, il s'en venait, il descendait, comprends-tu? Il s'en venait vite, hein, parce qu'il s'était mis deux mains en avant, puis en haut et au bout. Il s'en venait, comprends-tu? Qu'est-ce que t'as fait? Prenant le courage qui n'écoutait que mes mains. En tout cas, je me suis dit, il faut que j'y aille. Ouais. J'ai traversé, je suis parti en courant entre les automobiles ainsi que les autobus. Oui. J'ai couru fort, comprends-tu? Et j'étais arrivé juste l'autre bord, juste à temps, pour attraper le petit bébé, juste à temps avant qu'il touche à terre. Pac! Elle l'a attrapé. Tu l'as attrapé? Mais oui, t'es receveur au baseball. Ah oui. Mais toi, habitué, je l'ai repris au deuxième.